Salut à tous et bienvenue sur Web Addict. Pour cette première vidéo, on va voir ensemble comment créer sa chaîne YouTube en 5 minutes puisque vous allez voir, c'est vraiment très simple et très rapide à faire. Pour créer sa chaîne YouTube, il vous faut un compte Google. Donc soit vous en avez un et c'est très bien, ça va être encore plus rapide, soit vous en avez pas et je vais vous montrer comment on le crée. Il faut donc aller sur Google et cliquer sur connexion. Si vous avez déjà un compte, bah vous allez vous connecter directement avec. Mais là je vais vous montrer l'exemple si vous n'avez pas de compte. Donc vous cliquez sur ajouter un compte. Sur cette nouvelle page, vous allez cliquer sur créer un compte, hein, comme nous n'avons pas de compte, nous allons le créer. Et ensuite vous avez tout un formulaire avec toutes les informations à remplir pour créer votre compte YouTube. Donc tout d'abord vous allez remplir le nom et prénom et là en fait vous allez mettre le nom de votre chaîne, enfin moi du moins c'est ce que j'ai fait, je mets le nom de la chaîne ici puisque j'ai pas spécialement envie que mon nom et prénom, enfin mes vrais noms et prénoms apparaissent, donc je mets le nom de ma chaîne, voilà. Choisissez quelque chose de simple, de facile à retenir et qui correspond bien évidemment au thème que votre chaîne va aborder. Ensuite vous choisissez votre nom d'utilisateur et ça va être votre adresse Gmail. Donc là bah, pour votre adresse je vous conseille d'utiliser le nom de votre chaîne @gmail.com. Après le mot de passe, hein, voilà, rien de bien compliqué, date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone portable, bref un formulaire de base. Ensuite vous allez accepter les conditions de confidentialité, tout ça, vous mettez j'accepte. Et voilà, votre compte Gmail est créé, votre compte Google Gmail en fait, avec votre compte Google, c'est grâce à ça que vous avez votre messagerie Gmail. Vous pouvez maintenant vous connecter à votre messagerie, donc vous voyez maintenant sur Google vous êtes connecté ici en haut. En cliquant sur Gmail, vous arrivez sur votre boîte mail. Cette adresse, faut bien la garder, c'est là où vous allez avoir toutes les informations concernant la création et tout ce qui va suivre par rapport à votre chaîne YouTube. Maintenant, venons-en au fait comment on crée sa chaîne YouTube. Donc, on va se rendre sur YouTube et on va venir se connecter en haut à droite. Ça va vous connecter automatiquement. Si ça vous connecte pas automatiquement, bah vous avez juste à rentrer l'adresse qu'on vient de créer avec le bon mot de passe. Et si ça vous crée automatiquement, et ben vous allez directement sur l'onglet Ma chaîne qui se situe donc à gauche. Puisque c'est la première fois qu'on se rend sur la chaîne, ben YouTube va vous demander de créer le nom de la chaîne, enfin le nom définitif. Tout à l'heure c'était juste le nom et prénom, mais là ça va vraiment être le nom définitif de la chaîne. Donc encore une fois, voilà, vous mettez le nom qui va correspondre à votre chaîne. Faites bien attention parce qu'après pour changer c'est pas trop compliqué mais un petit peu. Donc vaut mieux choisir le bon dès le début, réfléchissez bien. Donc moi ici c'est ma chaîne test pour vous montrer donc ces tests Web Addict, hein, puisque la chaîne principale c'est Web Addict. Et ensuite vous cliquez sur créer une chaîne et voilà, votre chaîne est enfin créée. Vous allez donc arriver sur l'interface ben, d'une chaîne YouTube lambda. Dans les prochaines semaines, je vais venir vous montrer comment créer une bannière personnalisée, comment mettre les liens de ses réseaux sociaux, comment remplir le à propos de la chaîne. Bref, je vais venir vous montrer tout ça, comment créer des playlists, etc. etc. Ça arrivera dans d'autres vidéos, donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez le voir dans les prochaines semaines. Si vous voulez vous balader un petit peu, vous pouvez aller dans le gestionnaire de vidéos. Vous allez voir que c'est là où tout va se passer. On va aussi voir la monétisation de la chaîne. C'est la prochaine vidéo qui arrive d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas à rester connecté pour voir comment ça se passe pour monétiser ces vidéos. Bon, déjà faut faire des vidéos, mais voilà. C'est là où, vous allez créer l'URL personnalisée de votre chaîne, où vous allez connecter les réseaux sociaux. Bref, tout ça, j'y reviendrai dans des vidéos. Mais si vous connaissez un petit peu, ben, vous pouvez déjà commencer à créer votre chaîne de votre côté. Je vous montre rapidement un exemple d'une chaîne complète, c'est ma chaîne principale, ma chaîne beauté en fait. Voilà, vous voyez un avatar personnalisé, une bannière que j'ai fait avec mon logo, etc. Les liens de tous mes réseaux et de mon blog sur la bannière avec des playlists, des vidéos en avant, le à propos qui est bien rempli avec la description de ma chaîne, bref voilà. Voilà à quoi on va arriver au fil des vidéos, vers une chaîne comme ça un petit peu plus complète et personnalisée. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire le type de vidéo que vous voulez voir, enfin surtout les tutos dont vous avez vraiment besoin, ce qui vous pose problème, parce que voilà, là je vous propose des choses mais je ne sais pas vraiment si vous en avez besoin ou pas, donc n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez vraiment envie. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!